Cette ampoule éteinte est le reflet actuel de la cité Gécamines Kolwezi. Une semaine déjà, c'est toute une population qui courpisse dans le noir. Une situation qui impacte négativement sur plusieurs activités génératrices de recettes. Ça fait deux semaines qu'on n'a pas du courant électrique. Le vivre frais commence à pourrir. D'autres en ont jeté. Ici, partout au quartier Tanganyika, ici à la Gécamines, il n'y a pas du courant. Imaginez comme il fait noir. Avec la situation de notre pays, le bandit peut en profiter pendant les examens. Comment les enfants vont commencer à étudier la nuit avant que le mari part au boulot? On doit encore chercher le fer à braise. On a déjà oublié cette ancienneté. Étant des abonnés fidèles de la SNEL, les habitants de cette partie de la commune de Dilala plaident pour le rétablissement du courant électrique dans leur environnement. Cela fait une semaine et demie. On ne sait même pas la raison de cette coupure. Il est compliqué. Cela fait deux semaines et demie qu'on n'a pas du courant électrique. On ne sait pas la raison. On n'arrive pas à comprendre la situation du courant. Pour que les congélateurs soient en marche, il faut du courant. Le problème du courant électrique a vraiment dérangé plusieurs activités. Voir les salons de coiffure, boucherie et les moulins, ça ne fonctionne plus. Que les autorités compétentes viennent pallier à cette situation. Parce que c'est une ancienne cabine électrique qui nous alimente jusqu'aujourd'hui. Du côté de la SNEL, le vol des câbles électriques dans l'espace Grand Katanga serait l'une des vecteurs majeurs de cette situation.